Visite du Cinderella, donc un château qui était franchement en super bon état entre 2011 et 2018. Et à partir de 2018, c'est parti sincèrement en couille. Entre le plancher qui s'est fait déchirer, les portes arrachées, les murs tagués, les endroits qui ont été incendiés, la mérule aussi qui commence à apparaître. En fait, vraiment venu une de ces pépites d'urbex. Hein. Il y avait tous les Allemands, les Belges, les Hollandais, énormément de gens qui venaient de super loin pour faire ce château. Mais maintenant, c'est une ruine. Ce château-là, il avait déjà été tenté de. Voilà, on avait tenté de. Enfin, un mec l'avait racheté et il devait avoir des rénovations. Mais bon, évidemment, le coût était vraiment beaucoup trop cher. Donc, ça a été laissé comme ça. Mais voilà, ça fait déjà depuis quand même 10 ans, plus ou moins, qu'il est abandonné, voire plus de temps. Donc voilà, donc les dégâts ont commencé à devenir de plus en plus grands à partir de 2018. Il a commencé à avoir des incendies, pas mal de métaux qui ont été volés, des gens qui cassaient pour le pur plaisir. Mais là, comme vous voyez, vraiment, il y a clairement un incendie dans cette pièce. Des mecs ont mis le feu pour le plaisir. Et là, ils ont tout cassé, ils ont pété les vitres. Enfin, ça a été le déluge. Et là, on voit vraiment aussi les escaliers qui sont tout pétés, vraiment, ils sont cassés, on a volé la matière, on a tagué. Et alors là, cette photo date de 2018 justement, donc là, il restait encore les rambards, mais on voyait déjà des tags et tout. Donc on voit que ça commençait déjà tout doucement à partir en couille, mais on va dire que ce château-là était encore en très très bon état. Maintenant là, vous voyez que les rambards ne sont plus là, donc on voit qu'il y a quand même un énorme souci quand même, qu'entre 2 ans de temps, le château quand même était littéralement pété quoi, c'est incroyable.